Ces gens à sorcellerie, bien les accoutumants, la harikuté guérissa. Donc c'est un dieu guérisseur. Et c'est pourquoi dans le temps, on appelle la harikuté Atike Vodou, ce qui veut dire dieu de médicaments. Ça guérit beaucoup les accoutumants et la sorcellerie, et les méchancetés que les gens font pour accouter les gens et donner des maladies, la harikuté est là. Pour là, c'est la source de notre prière. Donc quand nous, on va prier, on prend le kora et le kaolin. Bon, c'est avec ça, sur ça, tu donnes ta prière, ce que tu veux, ton vœu. Tu exerces ton vœu sur le kola et le kaolin pour donner à ce Dieu, à cette divinité. Et au retour, la divinité prend en compte ce que tu leur as demandé et te fait ça. Mais tu peux revenir, lui remercier. Lui, quand quelqu'un se fait un travaux, et alors bien quelqu'un te fait des travaux, il faut le remercier. Donc après, les gens reviennent avec des remerciements. Après la guérison, on fait beaucoup de choses. La chance, la harikuté donne beaucoup la chance. Elle débloque les situations compliquées. La protection, la prospérité. La harikuté fait beaucoup de choses que les gens viennent demander à la harikuté. Je veux ceci, je veux cela. Et la harikuté va t'aider à aller vers l'avant pour ce que tu veux. Même quand tu es bloqué quelque part, tu viens au niveau de la harikuté pour demander tes vœux, ce que tu veux. La harikuté débloque les situations et te fait avancer. Nous, on a une spécialité. La harikuté est tellement représentée comme une pierre noire. La harikuté, vous allez entendre parler de la pierre noire avec les musulmans dans le Kaaba. Nous, ce n'est pas le Kaaba. Le pierre noire, là, c'est dans une chapelle qu'on adore la harikuté dans une chapelle et ça s'est représenté sous forme d'une pierre noire. Pratiquement partout où il y a les prêtres de la harikuté, les osofo, il y a les temples. À Lomé, pratiquement dans la région maritime, tu vas trouver au moins plus de 500 chapelles. Hein. L'adoration se fait tous les jours, mais le lundi et le vendredi, on diminue notre rite parce que le grand dieu, la harikuté, le grand dieu même, le lundi et le vendredi se reposent. C'est 16 enfants qui l'accompagnent, qui travaillent les autres jours. Donc, voilà. Nous, pratiquement, on fonctionne comme les musulmans à peu près. Tous les jours, de lundi à vendredi, il y a la prière. Notre chapelle est ouverte. Le lundi à dimanche, particulièrement les dimanches et certains vendredis, il y a les commémorations spéciales. Les dimanches, il y a les commémorations spéciales et les vendredis aussi, il y a les commémorations spéciales après la prière et après les immolations. On joue des tambours, il y a des danses qui se font, la joie, l'animation. Et on est content en contre ce que ce Dieu-là nous fait et on danse dans la joie et dans la paix.